What's up boys, j'espère que vous allez bien. On est ensemble aujourd'hui pour débriefer le test de cette Nike Kyrie 7. Les Kyrie, c'est l'une des gammes les plus vendues, si ce n'est la paire la plus vendue en France. Il y a pas mal d'attentes, pas mal de demandes et surtout, vous demandiez un avis précis sur cette Nike Kyrie 7 et je pense pas que je vais vous étonner aujourd'hui. Bah ouais les gars, je pense que le designer, Kyrie et Nike ont compris complètement la recette pour faire chaque année une chaussure de basket qui fonctionne. Ils ont réussi à le faire avec la Kyrie 3, avec la Kyrie 4 et la Kyrie 5. Ils vont proposer un modèle de Kyrie qui va rester dans la même gamme, sensiblement avec les mêmes matériaux, la même shape, ils vont juste rajouter quelques ajouts par-ci par-là. Mais pour moi, la Kyrie, ça fait 2 ou 3 ans que ça n'a pas bougé. Donc si vous avez regardé les 3 ou 4 derniers tests que j'ai fait sur les paires Kyrie, j'ai toujours eu un avis dithyrambique sur la paire. C'est une paire qui est faite pour les basketteurs, qui est faite aussi pour un certain style de jeu, les joueurs qui aiment bien être proches du sol. Ce qui est cool avec cette chaussure, c'est que j'ai pu la tester à différentes reprises, que ce soit en intérieur, mais aussi en extérieur. Je l'ai testé principalement dehors parce que c'était le confinement et que je l'utilisais pendant mes sessions street. Et comme d'habitude, on va commencer par l'accroche au sol, par la traction que propose cette Nike Kyrie 7. Les motifs ont été complètement modifiés par rapport à la Kyrie 5 mais aussi par rapport à la Kyrie 6. Ils ont été designés sur ordinateur. Donc le but a été clairement de dire les mouvements de Kyrie se font de cette façon là. Généralement c'est un peu à 360 degrés et on va créer des motifs qui sont faits de manière à ce que tous les mouvements de Kyrie puissent accrocher sur le terrain. En vrai de vrai ça fonctionne, mais ça fonctionnait déjà sur la Kyrie 5 et sur la Kyrie 6. L'accroche sol de ces Kyrie en intérieur est vraiment de grande qualité. J'étais pas déçu par la paire, que ce soit sur les cuts, que ce soit sur les stops. Quand je l'avais testé en extérieur et qu'ensuite je l'avais testé en intérieur, la paire glissait mais vraiment de fou malade. Donc si jamais vous avez utilisé la paire cet été en playground, il va falloir bien la nettoyer pour revenir sur les parquets après, parce que bien évidemment une fois que la poussière s'accumule, la paire elle fait que glisser, hein. Je vous mets quelques images. Du coup le point un petit peu à relativiser sur cette Kyrie, c'est qu'en la testant en extérieur, les motifs de la semelle s'estompent très rapidement et du coup c'est pas du tout une paire qui est faite pour jouer sur le bitume. Encore une fois, les designers et les spécialistes créent une paire pour que Kyrie se sente à l'aise sur les parquets. En plus, quand on a des motifs qui ressortent énormément, bah c'est beaucoup plus facile pour qu'ils s'abîment sur le terrain. C'est pas du tout plat en fait, quand on passe notre main, c'est rêche. On dirait, vous savez, des petites rainures de pneus là, ça ressort vraiment beaucoup et de ce fait là, c'est normal que ça tienne pas en extérieur. Je vous propose maintenant qu'on passe à l'aspect amorti de cette Nike Kyrie 7 et encore une fois, ça a pas changé. On a du Nike Zoom Turbo à l'avant, on a de la mousse en filon à l'arrière. Ça correspondra aux joueurs qui souhaitent être un minimum sécurisés dans leur paire. Ça compresse pas des masses. À l'avant, ça apporte un bête de retour d'énergie. En vrai, tu peux pas te tromper avec du zoom turbo parce que ça apporte un vrai retour d'énergie. La paire est très réactive à l'avant. À l'arrière, on n'aura pas un niveau de compression exceptionnel, mais c'est déjà bien. C'est vraiment le juste milieu entre la rigidité et la mollesse. En vrai, pour moi, ça me va. Pour les meneurs de jeu, je pense que c'est une bête de paire parce que ils vont se sentir un peu comme dans la peau de Kyrie. On a une paire qui est plutôt basée sur l'aérodynamisme, sur le fait d'être proche du sol, à défaut de travailler un amorti qui va être ultra confort. D'ailleurs, la transition est parfaite pour passer à l'aspect confort. Et cette Kyrie 7, elle est plutôt confortable. Je la mettrais dans la moyenne. C'est une paire pour les joueurs qui aiment bien être très serré dans leurs chaussures. Vous n'allez pas avoir un confort de fou malade comme on peut l'avoir sur une PG4. C'est une chaussure qui est faite pour que vous vous sentiez le plus en sécurité possible. On a une chaussure toujours qui est mid. Si vous mettez les lacets jusqu'au dernier passant, vous allez être verrouillé. À l'arrière, c'est plutôt pas mal. On a une coque au niveau du talon qui est très rigide. Toujours au niveau du maintien, au niveau de la Kyrie 5, on avait un maintien qui était excellent. On n'avait pas de scratch. Au niveau de la Kyrie 6, on avait un scratch qui était un petit peu gadget. Et au niveau de la Kyrie 7, ils ont un peu amélioré ce qu'il y avait sur la Kyrie 5. Les petits bouts de plastique qui vont être ajoutés de part et d'autre de la chaussure vont venir apporter vraiment un serrage optimal et un serrage surtout personnalisé au niveau de l'avant-pied, et ça c'est vraiment génial. Pour moi c'est pas la sécurité sociale mais presque. Vous savez qu'il y a même des pivots qui portent la Kyrie au NBA comme dit André Jordan. En tout cas d'un point de vue maintien, c'est validé RAS, j'ai rien à dire sur cette paire. On va aborder maintenant le plus gros point fort de cette Kyrie 7, et à mon sens c'est le juste milieu entre le court fil et la fluidité de la foulée qu'elle propose sur les terrains. En fait ce qui fait la force de la Kyrie, c'est un peu le ressenti quand on les porte sur le terrain, la fluidité de la foulée, que ce soit sur les différents mouvements, brusques, pas brusques, la chaussure elle te suit, elle tient, elle est vraiment réactive, et le fait qu'on soit très proche du sol, c'est archi intéressant, notamment pour les meneurs, mais pas que, hein, pour les joueurs qui souhaitent sentir bien leurs appuis, avoir un centre de gravité qui soit bas, tout en étant sécurisé, hein, avec l'amorti zoom turbo qui apporte un retour d'énergie. Je trouve qu'ils ont vraiment trouvé le juste milieu entre les deux. Vous le savez, sur les Kyrie, on a les motifs qui remontent un peu sur les côtés, qui remontent un petit peu à l'arrière, ce qui fait que sur les différents mouvements, à partir du moment où on pose le pied, on se sent bien, on se sent proche. En fait, je sais pas, c'est un sentiment qui est assez bizarre, mais ceux qui ont porté les Kyrie, vous pourrez un peu en témoigner. En tout cas, pour les joueurs qui souhaitent avoir la sensation sur le terrain, c'est peut-être la meilleure chaussure aujourd'hui. On va se parler de la durabilité. Et vous savez ô combien les chaussures de basket et même les chaussures Nike en général ont des petits soucis de durabilité. Alors moi, j'en teste énormément, c'est pour ça qu'elles sont encore en bon état, mais j'ai énormément de retours de gars de ma communauté qui testent des Kyrie, mais pas que, et qui me disent « Ouais, Reda, au bout de 5-6 mois, la paire, elle est KO. J'ai joué avec en extérieur au bout de 2 mois.
mois, c'est mort. Cette Kyrie 7, elle aura pas changé à ce niveau-là. Alors, vous verrez au niveau du prix, on est dans la moyenne de ce qui se fait généralement, mais d'un point de vue durabilité, je trouve que c'est un peu dommage parce que ce soit au niveau de la semelle extérieure, si vous jouez avec tout l'été, bah, la semelle, elle sera morte en septembre. Vous devrez changer de paire pour la nouvelle saison. Les matériaux extérieurs, je les trouve carrément cheap en fait. C'est bien assemblé, hein, on se sent bien dans la paire, mais d'un point de vue global, elle dégage pas un aspect premium, cette Kyrie 7, et ça, c'est un petit peu dommage malgré le fait que j'ai un coloris qui est vraiment sympa. L'aspect extérieur, il est un peu bizarre. Du coup, en vrai, moi, je suis transparent avec vous. Cette Kyrie 7, pour moi, elle est pas au niveau de la durabilité que devrait avoir une chaussure de basket en 2021. Pour moi, tu devrais pouvoir garder une paire pendant une saison, et je pense pas que ce soit possible avec cette Kyrie 7 si tu t'entraînes 2-3 fois par semaine, plus les matchs le week-end. Encore une fois, la durabilité dépend du style de joueur. Il y en a qui vont garder une paire pendant 2 ans parce qu'ils sont très doux avec leur paire. Il y en a qui vont défoncer leur paire au bout de 2 mois, mais elle est plutôt dans la moyenne basse. On a testé la KD il y a quelques temps et elle faisait aussi partie des paires les plus légères. Je pense que Nike a fait un gros effort à ce niveau-là, à défaut de proposer des paires durables. Nike propose des paires de plus en plus légères. C'est de bon augure, on le sent sur le terrain. Tu vois la différence entre une paire à 350 grammes et une paire à 500 grammes. Pour info, et ceux qui me suivent un peu sur Instagram, vous savez que la Harden 5, c'était un pavé quand je les avais portées. Ok, il est temps de se parler du prix. Et cette paire de Kyrie, elle est proposée au tarif de 130€. Ça n'a pas bougé depuis maintenant 2-3 ans. Kyrie a réussi un peu à se diversifier, un peu comme LeBron, qui a une gamme de produits qui est assez étendue. Il n'y a pas énormément de différence de prix entre la Kyrie Low et la Kyrie Classique. La Kyrie Low est à 115, la Kyrie Classique est à 130, il y a 15€ d'écart. Moi, je trouve que c'est quand même assez abordable comme paire de chaussures. Encore une fois, elle est excellente. Je trouve que c'est une paire que je vous recommanderais pour jouer. Maintenant, le point un peu à relativiser, c'est la durabilité. Et en fait, ça peut devenir un point qui est rédhibitoire parce que au final, si vous avez envie d'investir une paire, mais que vous savez qu'elle va pas durer longtemps et malgré le fait qu'elle soit aussi performante que jamais, bah, c'est un petit peu dommage. Et du coup, bah, va falloir attendre peut-être les soldes ou les promos pour avoir deux paires à 70€ et économiser deux fois plus de temps que d'acheter la paire de Kyrie 7 à 130€. Enfin bref, dans tous les cas, pour ceux qui souhaitent acheter la paire, je vous mettrai le lien juste en dessous dans la description. Moi, les gars, je pense qu'on est pas mal. Ça m'a fait plaisir de vous partager mon avis et mon test sur cette Nike Kyrie 7. Ça reste une chaussure qui est bien respectée et qui suit la lignée de la gamme Kyrie, malgré le bémol de la durabilité. Mais bon, c'est le jeu. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Ça fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. On se dit à très très vite pour un nouveau test de chaussures de basket. Prenez soin de vous. Bang.